Bonjour, donc nous voici pour une nouvelle petite présentation d'un chargeur. Donc je continue, on va dire, dans cette lignée de chargeurs parce qu'on a eu un bon succès avec le chargeur où on sort les pièces une par une. Et du coup, comme les gens nous ont demandé les chargeurs où on pouvait charger en fait un nombre de pièces conséquent d'entrée, du coup, je me suis remis à refabriquer et bien sûr, j'ai modifié quelques trucs sur le chargeur qu'on connaît tous, hein, qui est le chargeur à bascule. Donc le chargeur à bascule permet de charger un nombre de pièces conséquent d'entrée dans la main. Et du coup, je me suis mis à les refabriquer, donc dans la même conception, d'impression 3D, en mettant quelques petites modifications sur le chargeur, qui donc permet de charger 10 pièces dollars. Donc le chargeur va être, donc la main descend, on va venir charger son bloc et instantanément, tac, on a en fait 10 pièces en main. Donc ce qui est intéressant, c'est que comme vous avez pu voir, c'est quand même extrêmement rapide et j'ai chargé mon bloc de 10 pièces. Donc là, des Morgan, des Eisenhower, peu importe, mais 10 pièces en format dollar. Donc ce chargeur va permettre de faire ça. Donc après, très bien pour faire une chasse aux pièces dans le seau pour les libérer une par une. Donc c'est pour ça que ce chargeur est intéressant. Et du coup, je me suis mis un petit peu à la demande des gens. Le petit plus donc que j'ai fait, du coup, j'ai fait un chargeur qui était au format dollar. Du coup, on peut rentrer des pièces jusqu'à 40 mm de diamètre, sachant que les dollars font en vérité 38,2, quelque chose près, suivant les pièces, hein. Et donc, du coup, on peut rentrer autant ces pièces-là que des pièces en euros et que des pièces en demi-dollars. Donc, avec le même chargeur, là, j'en ai mis 3 sur moi, je peux donc charger en fait n'importe quelle pièce. Donc, c'est assez intéressant. Alors que c'est vrai que celui qui existait avant, comme il était en petit format, enfin, du moins, nous, on l'a jamais eu en gros. Du coup, forcément, on ne pouvait pas charger du dollar. L'intéressant de ce chargeur, c'est que comme l'autre, il se fixe pareil, hein, sur vous, et à tout moment, quand votre main descend, vous allez venir basculer et venir choper, mais sans bruit, votre charge de 10 pièces. Donc là, c'est pour vous montrer que j'ai mis un petit peu, bon, j'ai mis de la 50 centimes aussi dedans, et j'ai chargé, donc là, en euros, comme la pièce est beaucoup plus fine, j'ai chargé jusqu'à 14 pièces. 13, 14 en moyenne, suivant ce que vous mettez comme épaisseur de pièces. Et pareil donc que l'autre, donc ce chargeur est plus spécifique pour charger bien sûr une grosse masse, mais il se fait dans le même mouvement que les autres. Ou soit, alors là je vous montre plein face, c'est pour vous montrer la facilité de chargement des pièces et qu'il n'y a pas de bruit, qu'on n'a pas besoin de monter la main, c'est-à-dire qu'on peut le charger vraiment au pan de la veste. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'on va venir se déplacer pour faire quelque chose, la main vient on va dire le long du corps, chope, donc là il est où mon chargeur? Il est ici ce coup-ci, voilà, donc attrape le chargeur, bascule, on va revenir, et quand on fait quelque chose, on a chopé ce coup-ci. Donc là, j'ai chargé des demi-dollars pour vous montrer que ce chargeur peut faire les trois styles de sortes de pièces et de diamètres qui existent. Et là, donc, j'ai chopé mes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 pièces. Donc, c'est tout aussi simple que l'autre. L'autre chargeait une seule pièce à la fois, ce qui était très intéressant. Comme je l'avais dit dans les explications d'avant. Là, c'est vrai que les gens m'ont demandé si on peut charger plus de pièces à la fois. Donc, du coup, c'est pour ça que je me suis remis à faire ce chargeur à bascule pour pouvoir charger ces fameux stacks de pièces. Le chargement est rapide. Alors, le chargement est ultra, ultra, ultra rapide. Si je viens, donc je reprends mon stack d'ici, je viens, tac, c'est terminé, c'est chargé. Donc, si je me mets là, donc je me mets là. Je viens, je prends mon chargeur, je bascule et j'ai mes 10 pièces. Vraiment, vraiment, vraiment pas de bruit. Donc tout était bien adapté. Le système d'accroche, c'est un système épingle à nourrice, donc classique, et vous allez pouvoir mettre ça où vous voulez. Donc bien sûr, c'est sur vous, mais encore une fois, ça peut être aussi sur table. Vous avez un guéridon qui est posé ici, là je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez venir par exemple en déplaçant votre guéridon pour tout simplement le déplacer nonchalamment sur la scène, venir, clac, et charger un bloc de 10 pièces. Donc c'est un chargeur qui charge les pièces et qui arrive dans cette configuration. C'est-à-dire que quand on bascule, on a ça comme ça. Donc du coup, c'est ou soit après, donc on va venir produire tout simplement les pièces comme ça, comme si on faisait une production classique. Ou tout simplement, comme elles arrivent comme ça, ensuite les basculer ici, et quand on vient prendre le seau, après, bon, je vais pas en dire plus, mais voilà, on a notre charge qui arrive en fait dans cette position, et après on va les lâcher une par une, si on a envie, pour faire la chasse aux pièces.
Donc voilà, donc c'était un petit plus que. Parce que voilà, je voulais finir en même temps ces chargeurs et aller dans les deux versions, et surtout que les gens m'ont demandé. Donc version une par une et version par stack. Donc voilà, je pense que je suis arrivé au bout des chargeurs. Enfin, je suis arrivé au bout. Voilà, la boucle est bouclée, donc une par une et par stack. Maintenant, j'espère que ça vous plaira. Donc encore une fois, là, j'ai rien inventé, hein. C'est un chargeur qui existait. Je parle celui-ci, hein, l'autre, oui. Mais ça, c'est un chargeur qui existait. Mais que, bah, déjà, on arrive plus à en avoir déjà, de ces chargeurs? Ou on en a? On en a, oui. Voilà. Mais du coup, bah, forcément, j'ai remis un petit peu ma patte à moi, avec un petit truc en plus qui permet d'avoir une prise qui est beaucoup plus naturelle pour pas que ça glisse. Ça, c'était ma patte à moi. Ça, alors c'est le cas de le dire, c'était ta patte à toi, sans montrer le chargeur, parce qu'en fait on a mis une petite patte à un endroit sur le chargeur qui permet en fait d'avoir une prise du chargeur qui est... C'est pour avoir une sensation au niveau du toucher, parce que si on prend mal le chargeur, peut-être qu'on peut être en bout de course, on va dire, pour basculer, alors que là, cette patte, quand on vient la toucher avec le bout des doigts, on sait que le fait de faire un quart de tour ou un demi-tour va faire basculer les pièces, donc c'est juste un petit plus, un truc en plus, mais... Tant qu'à faire, puisque le refaire avec une petite amélioration. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Du coup, un chargeur comme ça plus l'autre, ça fait là il y a une bonne complète. Et ben exactement, ben S'il en veut qu'une à la fois, s'il veut tout. pour ceux qui aiment faire effectivement des routines comme ça d'apparition de pièces, ils ont besoin de charger là des stocks de pièces en gros, ça fonctionne très bien. Alors bien sûr, là j'ai montré qu'on peut charger 14 pièces d'un coup. On peut faire moins, hein, si j'ai envie de charger 5 pièces, même si à la base, je ne vais pas dire que c'est pas l'idéal, mais c'est que forcément ils vont se mettre inclinés dans le chargeur, c'est pas bien grave, mais ça marche aussi. Donc si j'ai envie de charger que 5 pièces, j'ai mon bloc qui est ici, donc là ça va faire forcément un petit peu plus de bruit, encore quoique, je vais venir descendre et je vais charger mon bloc de. Bon là j'en ai mis 4, j'en ai mis 5. On n'est pas obligé de charger 10 parce que j'ai décidé de mettre 10 pièces dans le chargeur, on peut en mettre moins. Comme on dit, qui peut le plus, peut le moins. Qui peut le plus, peut le moins. Exactement. Donc voilà l'intérêt de ce chargeur à bascule. Je crois que j'ai tout dit. Donc pour ceux qui veulent des renseignements en plus, Il sera au même prix que l'autre. il sera Voilà. effectivement au même prix que l'autre. Donc là, il n'y a pas besoin de préciser les pièces que vous voulez faire apparaître. Vous en prenez un, il fait Exactement. toutes les Sur pièces. le même chargeur, vous rentrez autant des petites pièces. Même plus petites, hein, là c'est parce que pour le bien de la vidéo, j'ai préféré prendre des 2 euros qui sont les pièces, on va dire plus grosses, celles qu'on a les plus grosses en euros, mais vous pouvez charger autant de la 20 centimes que de la 1 euro, c'est Et du pareil, jeu jeton de que du jeton de casino. casino qui fonctionne très bien aussi. Mais voilà, donc c'est pour dire que ce chargeur, comparé à ce qui était avant où on était obligé d'avoir un chargeur spécifique, là vous savez que n'importe quelle pièce rentre dedans jusqu'à un diamètre de 40 mm. Je sais qu'il y a des pièces qui sont légèrement plus grosses que les dollars. On en utilise très peu, mais pourquoi pas. Ça rentre. Parce que comme en fait c'est une demi-cuvette, donc du coup, même si ça touche pas le fond de cette truc-là, les pièces se calent dedans et ça marche aussi très bien. Mais bon, je pense que le fait d'avoir des formats dollars, formats demi-dollars et pièces euros, on va dire que j'ai fait le tour des pièces qu'on utilise. Voilà, donc ça c'était une petite présentation, une petite review de ce fameux chargeur à bascule. Allez, à bientôt!